Je commence par définir ma conférence de samedi, parce que c'est une continuation de notre matière et j'ai l'opportunité de parler avec vous. D'abord, je rappelle les pensées. Les pensées, ils vont de partout, surtout et tous. Mais il faut considérer les pensées des bas niveaux, c'est-à-dire les pensées qui ont des fréquences qui ne sont pas très vite, qui font surtout la circulation dans un bas niveau cérébral et aussi de notre vie planétaire, parce que le niveau a des racines de l'origine de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a donné l'origine de la pensée? J'ai dit déjà que la pensée est là, le mélange entre l'intellect et les sentiments, la raison et le cœur, parce que c'est les sentiments qui donnent forme et la nature du penser. Si nous sommes un niveau élevé, si nous avons un niveau élevé du penser, nous pouvons atteindre des régions cérébrales plus proches de Dieu, parce que nous avons vu que les lobes frontaux sont la porte pour l'infini, pour Dieu, pour le futur, pour les choses de l'espiritualité. Et aussi, je parlais de l'influence des pensées sur l'ADN, c'est-à-dire sur les gènes. Parce que les gènes, ils souffrent l'influence du cytoplasme. Et les cytoplasmes, dans les cytoplasmes, nous avons les biophores. Qui est représenté surtout sous le nom des mitochondries. Mais c'est surtout la charge électromagnétique du gène qui font la influence
sur le fait, c'est-à-dire que la pensée, c'est une onde électromagnétique qui va influencer jusque-là aux cellules, jusqu'aux cytoplasmes, qui vont déterminer les influences sur les gènes, sur l'ADN. Ça correspond aux expériences, recherches plutôt, des docteurs Kazuo Murakami et aussi Bruce Lito, qui ont dit à travers ces livres, ces deux livres, les codes divines de la vie et la biologie, et la croyance de la biologie de Lito. Et ces auteurs nous ont dit que l'influence électromagnétique de la pensée et cette influence va directement aux gènes en passant pour la membrane cellulaire et aussi pour les éléments du cytoplasme. C'est-à-dire que nous faisons notre matière mentale à partir de la construction de la pensée, de l'origine de la pensée. Si nous avons des bonnes pensées constructives, elles nous élèvent et nous libèrent. Et nous libèrent des sentiments négatifs. Mais si nous produisons des pensées négatives, nous avons un assassinement dans les plans inférieurs. C'est pour ça que dans des occasions, nous ne pouvons pas sortir de la tristesse, d'un problème qui est surtout pour nous un problème grave et que nous n'avons pas la possibilité d'en sortir. Il faut que nous pensons aux ondes et aux photons pour comprendre pourquoi l'amour il a l'importance pour nous. Les anges produisent rayons super ultra courts. La fréquence est plus haute. Les mentales humains produisent ondes courtes, moyennes et longues. Et les animaux, ils produisent ondes fragmentaires. Je suis très heureuse parce que les livres sur lesquels je me parle, il est traduit en français. C'est le mécanisme de la médiumnité. Et j'ai vous prie de la patience parce que
je vais rire. Si, en parenthèse, la pensée, elle produit matière et produit onde. Elle suit, elle a de la matière, qui c'est le système périodique ici, c'est semblable. Cette matière de la pensée est la noyau, proton, neutron, positron, électron et photon, manteau. Et la fréquence, couleur, etc. son et ces ondes, et cette matière, elles suivent la loi des quantas d'énergie que nous avons pris chez la physique quantique. C'est-à-dire que nous sommes devant la mécanique ondulatoire. Chaque personne a une onde mentale propre. Alors, je vais lire. Si nous excitons l'atome avec peu d'énergie, seuls les électrons de la périphérie s'élèveront et seront facilement en mesure de surmonter la force d'attraction du noyau. C'est André-Louis en parlant. Nous comprenons donc que plus le noyau sera éloigné, plus long sera le saut, ce qui déterminera une émission d'ondes plus longue qui sera identifié par conséquent par une baisse d'énergie. Et plus le saut se fera à l'intérieur du système atomique, plus courte sera l'onde extériorisée et par conséquent d'un plus grand pouvoir de pénétration. Il faut mémoriser ça. C'est très important pour notre vie. Si les sauts d'électrons s'est plus éloigné du noyau de l'atome mental, nous avons une onde plus longue. Mais si nous avons des vibrations des noyaux proprement dits, nous avons des ondes plus courtes et d'un grand pouvoir de pénétration. La matière mentale est lumière. C'est une onde électromagnétique. Et nous avons vu que c'est les électrons périphériques. L'onde est plus longue, mais plus distante du noyau, saut plus long. Mais saut plus davantage à l'intérieur au système atomique,
nous avons ondes plus courtes et un grand pouvoir de pénétration, pouvoir pénétrant. Ainsi, nous avons ondes communes très longues, réflexion quand quelqu'un est en réflexion. Nous avons une longueur moyenne. Mais si nous avons une grande douleur, si nous avons un problème grave à résoudre, mais nous avons de la foi et nous prions, il y en a des confiances chez notre guide. Et on a l'onde qui s'origine des noyaux atomiques. Des noyaux atomiques de la matière mentale. Les ondes sont plus courtes. Il y a un immense pouvoir transformateur dans le champ spirituel, similaire au rayon gamma. C'est pour ça que les esprits qui sont évolués, supérieurs, ils ont toujours dans une ambiance des ondes similaires au rayon gamma. C'est pour ça que la psychosphère du son de l'esprit élevé, c'est une psychosphère différente. Parce qu'ils ont la possibilité de pénétrer jusqu'au fond de notre âme. On ne peut pas mentir dans le monde spirituel. Nous sommes ce que nous sommes. Nous n'avons pas la possibilité de dire « Je suis sainte », mais les esprits savent que je ne suis pas seule. C'est pour ça que nous avons, dans les processus de guérison, un fluide magnétique qui est différent à chaque personne. Un amour immense, comme dit Jésus-Christ, il a un pouvoir de pénétration énorme. Parce que le Christ travaillait dans les noyaux mentaux absolument. Ce sont des ondes similaires au rayon gamma. C'est pour ça que dans toutes les révélations des esprits, nous pouvons résumer dans ce que nous trouvons dans l'œuvre de Chico Xavier, dans le monde supérieur, dont il dit « Le cœur qui aime est plein de pouvoir rénovateur. » Et pourquoi ? Il y avait un malade à l'hôpital et un esprit obsesseur. Il est très malade. Il est en train de mourir. Mais Calderado et André Luiz, ils savent
partie, le moment est très dangereux. Dans ce moment-là, Calderal a fait des prières, comme vous le dites en espagnol, des prières, et il a demandé au monde supérieur d'envoyer quelqu'un pour faire pour aider ces malades-là. Et dans ce moment-là, vient un esprit, Cyprienne. Elle est envoyée par Marie de Nazareth, mère de Jésus-Christ. Et la mère, cette messagère, elle va parler avec les deux esprits, l'incarné et le désincarné. Mais son pouvoir d'amour est supérieur à tous les esprits qui sont là. Elle produit des vibrations de très grande pénétration. Et elle, finalement, elle fait des séparations entre l'obsesseur et l'esprit incarné. Seulement pour les vibrations de son cœur, des pouvoirs de l'amour. Mathilde, dans le monde supérieur, elle attend pendant 7 siècles. 700 ans. Et son fils, qui est là-bas, dans les trèfles, on dit ça, ténèbres, oui, dans les ténèbres, et elle va essayer de lui récupérer. Et dans un moment, dans le final de libération, on voit cette mère qui vient du ciel. Et le fils qu'elle a et qui est prêt pour tuer les gens. Et il est dans le champ ici. Et dans ce moment-là, un instructeur Google lui donne à Mathilde la possibilité de se matérialiser dans cette sphère inférieure. Et dans les moments plus graves, plus dangereux, quand le fils est là pour se battre avec tous les autres, il dit des choses terribles pour l'esprit. Il ne savait pas que c'était sa mère. Mais jusqu'au moment qu'elle est devant son fils, il dit « Maman ». Et dans ce moment-là, avec tout son amour, il tombe par terre. Elle lui
abrite, ils sont, c'est bon. Il a la possibilité de renaître. Cet amour, c'est une chose qui m'a frappé toujours. Parce que les grandes âmes ont naturellement les sentiments plus purs. C'est pour ça qu'il a guéri, qu'il a fait des signes que nous connaissons comme miracles, mais ne sont pas miracles. Un jour, nous serons des médecins, je ne sais pas quand, mais que nous pouvons mouvementer des ondes d'amour pour élever notre frère qui sont malades, qui sont dans les ténèbres, parce que un jour Jésus a dit que tout ce qu'il faisait, nous pouvons faire. C'est l'amour qui c'est ce qui nous dit André Louis, le cœur qui aime est plein de pouvoir rénovateur. Parce que les ondes ont beaucoup de pénétration naturellement d'une forme absolument naturel. Et c'est pour ça que nous disons que l'amour, on peut faire la mesure, un jour nous pouvons faire la mesure, parce que ce sont des ondes, ondes d'un pouvoir de pénétration, ondes pures. Et nous pouvons profiter de nos jours ici en bas comme incarnés pour avoir dans notre cœur ces sentiments absolument nécessaires et surtout qui nous donnent un mouvement interne de relaxation, de bien-être, de paix, de la patience, de la confraternisation, de tout ce que nous savons qui sont les meilleures constructions humaines. Alors, c'est un film, si nous pouvons. S'il y a la possibilité, elle n'est pas traduite en français, mais c'est un travail que je demande à Charles s'il peut m'aider. On parle ici en portugais qui fait la traduction. C'est un film qui est passé à la télé Globo Reporter, qui est la télé la plus connue au Brésil. Donc c'est un pasteur évangélique. Il parle d'un don de Dieu. Deux fois par semaine, les malades bénéficient de la visite de ce religieux. Donc c'est une institution
de l'État de Minas Gerais à Racha, qui a donc été réalisé par un esprit qui s'appelle Tadeo. Et il amène ici donc des pasteurs évangéliques qui aident les malades de cette religion, qui ont cette religion. Donc, il montre une chorale dans le jardin de l'hôpital qui transmet l'harmonie. Il pense que la musique aussi les aide à guérir. En plus de chanter, il donne des passes magnétiques qui vont aider les personnes à retrouver leur équilibre. Ça, c'est le fameux Tadeo. Les passes magnétiques, la musique et la foi. Tout cela, en plus donc des médicaments, et tout ça renforce la psychothérapie. Cette patiente, donc elle avait été psychotique, elle entendait des voix étranges. Elle pensait qu'à se suicider. Et je suis venu ici, j'ai pris des passes. Et j'entends plus de voix. J'ai encore un peu peur de sortir d'ici, de faire une rechute. C'est cet hôpital qu'elle a retrouvé la guérison. C'est cet hôpital où elle a pu être guérie. Donc ça, c'est celle qui dirige le département psychiatrique et donc qui obtient de bons résultats. La spiritualité se lie à la réforme de l'amour. La spiritualité se lie à la question de l'amour. On essaie de répondre plus rapidement, tant la psychothérapie que le traitement qui est plus long. Selon Tadeo, la base de l'ambiance et l'énergie qui vient de la spiritualité se charge également d'accélérer la récupération des malades. Un environnement de paix qui existe à l'intérieur de l'hôpital. Donc les gens vivent ensemble, socialisent. Et la gériatrie, on voit la joie des personnes âgées. Ils ont beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de famille. Il y a beaucoup de personnes âgées sans famille. Tout est gratuit. Et donc on peut voir l'évolution positive des patients qu'ils accompagnent, qui est atypique et qui change complètement de ce qu'on pourrait attendre. Si on s'était attaché uniquement à la partie scientifique et médicale. Il ne se restreint pas seulement à la partie de médecine et scientifique. Donc ça contrarie la logique de la médecine. 82 personne ans. A... 18 ans qu'elle est alitée. Et elle n'a jamais eu aucune blessure, aucun escar, aucune blessure. Le psychiatre dit que c'est des choses qui sont inexplicables. Donc, il y a beaucoup de. L'hôpital fonctionne essentiellement par des dons. Ils n'ont jamais eu de manque d'alimentation et de médicaments. Et il y a très peu de subventions du gouvernement, mais il y a ceux qui l'aident à maintenir donc cet hôpital. Et donc ils ont toujours réussi à bénéficier de l'appui nécessaire. Tadeo lui-même, il est pauvre, il a toujours été pauvre. Et il vit ici, il passe sa vie donc à aider les malades et les nécessiteux. Je voulais vous apporter un petit peu d'où j'habite, de ces bonnes gens, de ceux qui, peu à peu, vont découvrir que l'amour, c'est la plus grande conquête de l'être humain. C'est l'amour universel, l'amour qui comprend, qui unit et qui est en réalité ce qui manque le plus dans notre monde.
Nous avons développé énormément l'intellectualité et de la technologie. Mais l'aile de l'amour, nous avons encore beaucoup. Elle est encore très très petite, presque pas développée. Et sans ces deux ailes, celle de la raison, de la technologie, et celle du sentiment de l'amour, l'oiseau qui sommes nous, il ne pourra jamais voler dans la direction de Dieu, notre Père. Qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la force pour être véritablement ses enfants. Un amour chaque fois, plus vraiment amour à l'intérieur de nos cœurs. Un grand merci à vous tous.